Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Awea.com qui est le sponsor de la chaîne et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo, c'est une vidéo trade et dans cette vidéo trade on a beaucoup investi grâce ou à cause, je pense plus que ça sera grâce à la Dominus Blanc Titan qui était dans la boutique. Il y a beaucoup de monde qui vendait bah du coup ces items pour pouvoir avoir des crédits et donc pouvoir s'acheter la Dominus Blanc Titan grâce au code Radagore bien évidemment. Plus sérieusement, on a vraiment fait beaucoup de bénéf, enfin on n'a pas encore revendu pour le moment, mais c'est vraiment super bien le bénéf qu'on a fait grâce à cette petite Dominus dans la boutique, donc je vais pas vous embêter plus. Et moi je vous laisse avec la vidéo, je compte sur vous pour mettre les 100 likes, pour vous abonner et pour mettre le code créateur Radacore, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Et pensez à rejoindre le Discord qui se trouve dans la description pour trade avec la commu. Et pensez à rejoindre le Twitch qui est aussi dans la description. Pour participer au live trade, mais on fait sans doute des game abo et tout en ce moment même. Je sais pas si on a encore si on a commencé les lives. Enfin bon, on s'en fiche, c'est parti, la vidéo commence. Donc c'est peut-être une erreur là, ça va être notre troisième stern noir, c'est 800 crédits minimum et nous notre Phoenix c'est 500 crédits minimum, on l'avance 550 d'habitude, donc normalement 250 crédits de bénéf, mais bon, pour revendre les sterns noirs c'est très difficile en ce moment et ça se trouve le prix va très bientôt baisser. Du coup on vend un petit anneau 17 pour 100 crédits, ça vaut minimum 80 crédits, mais moi je le revends toujours 100 crédits. On achète tous ces BM pour 1900 crédits et je pense qu'on peut faire 300-400 crédits de bénéf, c'est vraiment bien, c'est vraiment super bien. Je trade de la Fennec pour 550 crédits, elle vaut minimum 500 crédits, mais je la vends pris au prix du milieu. Putain, j'ai bugué là. On achète la Fennec, l'Octane Citron Vert pour 700 crédits, ça vaut minimum 800 crédits, donc 100 crédits de bénéf sur ce trade. Et ça va bugger. Donc là on a pas mal investi, va falloir tout revendre, on va voir si on y arrive, bon normalement ça devrait le faire. Hein. On échange Stipplegate, c'est 650 crédits contre la faucheuse et Electrochoc, la faucheuse c'est bien 500 crédits, Electrochoc 200 crédits, donc ça fait 700 crédits pour Stipplegate, ça fait plaise. Quand ça bug et que ça fait perdre du temps comme ça. On vend Stipplegate et cette explosion de but limitée, ça fait au moins 6 mois qu'on l'a, voire 8 mois je pense, contre Electrochoc Faucheuse, bah du coup c'était le trade qui avait bugué juste avant, ça fait 700 crédits, elle de Phoenix c'est 100 crédits et nous a mis un NCI. Et du coup l'explosion de but limitée en noir c'est aussi 100 crédits, donc on gagne bah, un NCI quoi en gros. Oh c'est encore bug. Et on vend notre frappe aérienne rose contre Interstellar et 350 crédits, ça fait 1100 crédits, c'est le prix minimum. Je pensais jamais vendre le frappe aérienne rose, ça fait plaisir. Et on est avec Brony, c'est un gros trader. Et Brony juste derrière nous fait des petits cadeaux, il y a l'EOM Blanc Titan et il y a Panda Silencieux. Je crois que ça vaut 100 crédits, un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gros traders qui l'ont. Panda Silencieux, ah non c'est 300 crédits, donc merci énormément Brony, ça fait plaisir. Mais je pense que ça doit être dur à revendre, mais c'est grave cool, vraiment. Et les OM blanches, c'est 200 crédits, donc il nous a donné pour 500 crédits. P90 nous fait des cadeaux, il y a plein de stickers sur la Fennec, il y a les émeraudes violettes et il y a du NCVR, non. Non, il y a des items très rares, donc merci énormément à toi P90. Donc on achète tous ces marchés noirs pour 1250 crédits, il y en a pour environ 1600 crédits, mais on a plein de marchés noirs, donc on le prend à ce prix-là, et vu qu'il y a la Dominus Blanc Titan dans la boutique, et bah c'est pour ça qu'il les vend à ce prix-là. On vend frappe aérienne pour 630 crédits. Ça fait au moins, sans mentir, 9 ou 10 mois qu'on a cet item armoire à glace noir, et on le vend 150 crédits, c'est le prix maximum, ça fait plaisir.
On vend l'octane citron vert pour 800 crédits, je crois qu'on a dû la payer 650 ou plus 700 crédits, ouais. Donc 100 crédits de bénéf. Achète spectre pour 100 crédits, c'est une valeur sûre. Le prix minimum c'est 150 crédits, ça pourra pas descendre encore plus. On achète Tora 70 crédits à Bilal, un fidèle trader de la chaîne. On va le revendre 100 crédits. Spectre c'est 150 crédits, Toon Noir c'est 400 crédits, on achète ça pour 350, sauf que Toon Noir je pense que ça va être vraiment compliqué à revendre, et sinon on peut se faire 200 crédits de bénéf. Ouais, c'est bien ça. On achète des marchés noirs, il y en a pour 800 crédits, on les achète 550 crédits, 250 crédits de bénéfice. On est vraiment en train d'acheter plein de marchés noirs, va falloir commencer à vendre. On achète tous ces marchés noirs, tous ces items, il y en a au total pour 1300, 1400, 1750, il y a les Reapers. Ouais, on fait 250 crédits de bénéf normalement. On va voir. On attend juste que Itachio se mette prêt, c'est bon. 250 crédits de bénéf. Merci beaucoup à Dafkill, il y a Spatial Rift noir et il y a des autres petits items, merci énormément. On vend électrochoc 220 crédits, le prix minimum c'est 200 crédits. On échange garde tempête contre 300 crédits, c'est le prix minimum et des petits trous très rares. On a réussi à gratter des petits trous sur RL Trading Post. Ça fait plaisir. Et il se... Ah si c'est bon, il se met prêt. Il a mis vraiment 10 minutes à me rejoindre, c'était hyper long. On devait faire un bon trade avec Slowing, mais son joystick est cassé, donc j'espère que ça va aller. On est... Ah bah finalement non, il a annulé. Bon du coup c'est bon, on échange l'ordinateur central qui coûte minimum 850 crédits contre l'Octane Bleu Ciel qui coûte 1000 crédits minimum. Et on a mis un petit Spiralis 50 crédits, donc ça fait 900 crédits et 1000 crédits, donc 100 crédits de bénéfice. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vais faire beaucoup de bénéfices du coup. Vous avez pu voir le dernier trade, il a son joystick cassé et on a vraiment... Du coup on devait pas trade ça à la base je crois, mais du coup on a quand même trouvé un arrangement et heureusement. Non, je devais ajouter un BM à 100 et lui un autre truc à 150, enfin je sais plus, un truc comme ça. Mais bon, ça s'est fait quand même, on récupère des crédits, quoi qu'il arrive. Bon, on a beaucoup investi, maintenant va falloir commencer à vendre, parce que dans la prochaine vidéo, vous allez voir, vous allez vraiment pas être déçus. On a fait un énorme investissement, c'est l'un des plus gros, en vrai, sur la chaîne, même s'il est pas énorme, il est vraiment gros, pour moi. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vous abonner avec la notif pour voir la prochaine vidéo, et donc savoir de quoi je parle. Bon, allez. Moi, j'arrête de vous embêter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir regardé.